C'est un plat qui se mange sans sauce. Pour rifter ma tôle que je rajoute, qui sera prise dans le Black Sun, je vais devoir percer à l'arrière de la voiture, à cet endroit-là. Seulement, le problème, c'est qu'il y a déjà deux tôles qui sont soudées entre elles. Donc, on voit bien les endroits où c'est enfoncé. En fin de compte, c'est des endroits où il y a des points de soudure électriques. Il faut que j'évite de percer à ces endroits-là. Donc je repère à des endroits à côté, évidemment, pour ne pas percer les points de soudure électriques, ce qui dépointerait les deux tôles déjà d'origine fixées, puisque j'en rajoute une troisième. La troisième sera fixée par les rivets à ces endroits-là, mais surtout pas percer les points de soudure électriques. Bien, alors une fois mes repérages faits, muni d'une perceuse, je vais donc percer dans ce sens-là. Donc il faut que je me méfie d'une chose, hein. Faut bien prévoir que le forêt peut être assez grand. Du coup, quand il va transpercer, il va venir cogner sur l'arrondi qui est ici. Et automatiquement, mon forêt va se briser. Donc pour ça, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser une petite entretoise que je vais glisser ici. Voilà. Comme ça, mon forêt n'ira pas plus loin que ça et ça n'abîmera pas le forêt. Bien, alors évidemment pour le perçage, je plaque ma tôle avec une petite presse et des petites cales en fer pour éviter que quand le forêt s'appuie sur la tôle que je viens de rajouter, elle se déplie dans l'autre sens. Là, c'est clair que ça ne va pas le faire. Voilà, alors une fois les perçages effectués, je pourrais y mettre les rivets. Mais avant, il va falloir quand même que je fraise un petit peu. Comme ça, les rivets s'enfonceront bien dans la première tôle et, pour ainsi dire, disparaîtront dedans une fois que je les aurai meulés. Tiens, voilà, à cet endroit-là, voilà, j'ai voulu percer. Donc, sans mettre une petite presse de l'autre côté qui aurait comprimé le morceau d'acier. Du coup, évidemment, une fois le forêt arrive sur la tôle, celle l'a repliée du mauvais côté. Donc, du coup, va falloir que je la redresse. Là, que je remette ça en état. Et que je reperce correctement. Cette tôle, je l'ai bien fixée derrière, avec les deux vis déjà de fixation de la jupe arrière de cette traction. Au fur et à mesure, j'ai mis des presses. Et maintenant, je vais pouvoir y donner le dernier pli, sa dernière forme, grâce à cette grande presse-là. Voilà. Comme ça, petit à petit, je donne le galbe. Et comme ça, ma pièce de carrosserie va vraiment épouser celle d'origine. Ayant bien formé ma tôle contre ma caisse, j'ai repercé toute une traînée de trous qui va me permettre de la riveter. Maintenant, je vais les fraiser légèrement. Voilà, maintenant que ma tôle a presque pris toute sa forme, j'ai laissé une presse ici pour l'appuyer bien à plat. Avec une autre presse, j'ai fini de positionner toute cette partie-là. Donc, comme je n'ai pas envie de rifter tout de suite, pour la bonne et simple raison, c'est qu'il n'y a pas de plaxon en ce moment, j'ai percé deux trous, là où c'est bien en pression. Je vais y mettre deux petites vis. Ça va bien maintenir la tôle en place. Ça va me permettre de retirer ma presse ici, de finir encore une rangée de trous où je pourrais mettre des rivets. Je vais déplacer ma presse de ce côté-là et je vais pouvoir faire les trous de ce côté-là. Voilà, je rapproche donc bien les deux petites vis que je mets
en provisoire à la place des rivets. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je retire la presse qui maintient ma tôle. Voilà, ainsi son calage. Ma tôle est bien maintenue en place, je vais pouvoir faire les autres trous et déplacer la presse à ce niveau-là. Voilà, j'ai déplacé ma presse légèrement sur un côté. Je recomprime ma tôle. Voilà, histoire qu'elle soit bien appliquée. Une fois qu'elle est bien appliquée, hop, je lui inflige un perçage. Voilà, au fur et à mesure, j'avance la presse sur toute la longueur. Je mets une vis de temps en temps et au fur et à mesure, je perce les trous dans la tôle. Tout de suite, pendant que c'est en pression, j'y mets tout de suite le fraisage. Voilà, de ce côté-là, c'est fait. Je vais continuer au fur et à mesure pour faire les trous. Voilà, au fur et à mesure, j'avance la presse sur toute la longueur. Je mets une vis de temps en temps. Et au fur et à mesure, je perce les trous dans la tôle. Comme d'habitude, je remets tout de suite un petit coup de fraisage. Voilà, les derniers perçages sont effectués. Comme d'habitude, un petit coup de fraisage. Voilà. Ce coup-ci, la tôle est prête à être fixée sur la caisse. Mais avant, je vais encore la travailler un petit peu et faire un petit coup de biseautage tout autour. Et puis après, j'aurai plus qu'à apprêter, plaxonner et fixer cette tôle-là dessus. Bon alors du coup, je redépose ma tôle. Je défais le dernier boulon. Et je vais pouvoir la travailler, la fignoler un petit peu. Je vais y supprimer les quelques bavures de perçage qu'il y a de l'autre côté avec une meuleuse et c'est pareil, je vais biseauter un petit peu ici pour que ça épouse bien la forme de la carrosserie de la voiture. Donc pour ça, j'utilise ça. Bon alors, bien évidemment, après les réparations du plancher, une bonne dose d'anti-rouille que je vais installer au pinceau sur le plancher. Bien, alors, une fois la carrosserie bien retraitée à l'anti-rouille, il faut tout remêler, tout reponcer. Bon alors pour poncer mon plancher de traction, j'ai utilisé carrément une meuleuse sur laquelle j'ai installé une brosse métallique. Ça va très bien pour les grandes surfaces, hein, surtout que je l'avais traité avec de l'anti-rouille. Alors évidemment, avant j'avais avec un chiffon et puis du diluant dégraissant, dégraissé toutes les jointures de tôle, puisque moi je leur avais donné de l'huile, évidemment, parce que sinon ça risque de s'oxyder entre les deux si on ne fait rien. Donc, je sais que les peintres, ils vont pas apprécier ça, parce qu'il faut savoir que l'huile, ça aide pas pour la peinture à adhérer, hein, c'est clair. Non, pas du tout, vraiment pas. Donc, dégraisser, brosser. Pour l'arrière, c'est plus des petits coins, donc pareil, j'ai dégraissé aussi. Et maintenant, ça a été traité à l'anti-rouille. Il faut que je reponce tout pour pouvoir réapprêter.
Donc par exemple, là, il me reste encore tout cet endroit-là à préparer. Donc je commence par le dégraisser avec du diluant dégraissant, hein, que j'ai mis sur un chiffon, puisque j'ai mis de l'huile un peu partout, effectivement. En plus, il va falloir que je retire les petits rivets qui restent encore sur les pattes de fixation du réservoir. Alors des rivets, j'en ai également à retirer aux endroits où le châssis rentre dans la caisse, puisqu'ici, il y a une petite patte de fixation derrière qui tient par deux rivets et qui tient un joint de caoutchouc qui est tout bouffé, là, d'ailleurs, et qui bouche le trou au moment où, une fois que le châssis est rentré. Donc, en fin de compte, sur la plupart des tractions, il y a ici une petite fissure qui se présente sur le plancher. Alors, c'est un petit défaut des tractions. Donc, pour ça, il y avait ce qu'on appelle aujourd'hui une campagne de rappel, hein, qui apparemment n'a jamais été rappelé parce que j'ai jamais vu aucune traction à qui ça avait été fait. Donc faut fabriquer une tôle et l'adapter ici sur la caisse. Donc ça, je verrai après, une fois que la traction sera de nouveau dans le bon sens. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Donc pour les étanchéités du châssis arrière, je mets un petit coup de perceuse sur les rivets. Là, les deux rivets sont sautés. Maintenant, je vais à l'intérieur de la voiture et je vais retirer la petite patte en fer qui maintient le caoutchouc d'étanchéité du châssis arrière. Voilà ce qui reste. Du caoutchouc qui est étanchéité. Bon, alors une fois mes sangles de réservoir libérées des rivets qui servait à tenir une protection contre le réservoir, je vais les redresser légèrement pour les peindre, et vaut mieux les redresser avant, hein, parce que donc pour ça c'est facile, il suffit de prendre deux plaques de tôle, de les mettre entre les deux, on passe plusieurs fois une pincée tôle dedans. Bon, alors maintenant que mon plancher est poncé, je me munis de 6 bouchons en plastique, ou si vous avez des bouchons en caoutchouc. Et je vais percer un trou ici, un trou, un troisième trou, pareil de l'autre côté. Si par malheur de l'eau rentre à l'intérieur de l'habitacle de cette voiture, sur les voitures modernes, il y a toujours des bouchons en plastique qu'on peut retirer, ce qui permet à l'eau de s'évacuer. Bon, sur les tractions, c'est pas prévu, il faut dire que l'eau s'évacue naturellement quand il y en a par les trous de soudure, parce qu'il n'y a pas d'étanchéité, vraiment. Moi, je vais mettre du Blaxon, de l'après du Blaxon, et ça sera vraiment étanche, donc il faut que je prévoie de mettre des bouchons en plastique pour pouvoir évacuer l'eau au cas où. Alors, il y a un plancher avant, un plancher arrière, une partie tunnel qui supporte les sièges avant. Il faut donc un trou par modèle de plancher. Alors, c'est parti. Je viens de percer les 6 trous dans mon plancher. Alors, je vais d'abord avec un petit forêt, j'en mets un plus gros, jusqu'à obtenir le bon diamètre de mes bouchons en plastique. Je finis les 6 derniers perçages au bon diamètre. Comme ça, je pourrais placer mes 6 bouchons et au cas où il y a de l'eau à l'intérieur, j'aurais plus qu'à les retirer pour vidanger l'eau. Bon, je les mettrai de toute façon les bouchons de l'intérieur. Là, je suis du mauvais côté de la voiture, on va dire. Comme tout perçage amène son lot de bavures, je n'oublie pas de prendre un gros forêt et de fraiser légèrement pour éviter de laisser des bavures qui pourraient me blesser plus tard. C'est pas la peine. Bien, alors avant d'apprêter mon plancher, je mets un petit peu de diluant dégraissant dans un petit bidon, comme ça. Ça m'évitera à chaque fois que je trempe le chiffon dans un bidon comme ça, de polluer le diluant qui est dedans avec le chiffon. Voilà, je mets un peu de dégraissant sur mon chiffon et je dégraisse toute ma caisse. D'autant plus que c'est moi qui l'avais un petit peu huilé. J'ai fait exprès. Voilà. Thank you.
fois que j'ai tout bien dégraissé, un bon coup de soufflet pour sachet, chasser les dernières poussières. De l'après, du durcisseur, du diluant, je me fais mon petit mélange. Voilà, une fois que c'est prêt, je vais en mettre dans mon pistolet. Là. On observera que j'ai dû changer de pistolet parce que j'ai eu quelques petits soucis avec l'autre. Bon, cette partie de la caisse que je viens d'apprêter, je compte la blacksonner après. Donc j'y ai mis un après. Parce que pour que le blackson soit bien fixé, il faut d'abord il faut pas le poser directement sur la carrosserie acier. Il faut que ça soit apprêté. Par contre, cette partie-là de la voiture, là, ça risque pas normalement, de même si on passe dans des chemins ou autre chose, de frotter sur des brindilles ou autre chose. Donc là, j'ai pas besoin de blacksonner. Du coup, je vais faire un après sans ponçage, d'une couleur blanche, grise, ça n'a pas trop d'importance. Je vais faire un peu comme sur les voitures modernes. Sur les voitures modernes, en dessous, c'est pas peint de la couleur voulue. C'est blacksonné aux endroits où ça peut frotter, c'est-à-dire ici. Et aux endroits où c'est caisse nue, où, où ça reçoit le réservoir, par exemple. Tout ça, c'est juste apprêté, peint, quoi. Donc, dans mes pistolets, il me reste encore un petit peu d'après. Ouais, en effet, c'est pas mal, même. Pour faire un après sans ponçage, c'est bien simple. Prends un peu de peinture blanche que je mélange un petit peu à mon après. Voilà. Pas besoin de beaucoup. Je remets évidemment un petit peu de durcisseur. Pas besoin de beaucoup, j'en ai pas mis beaucoup. Un petit peu de diluant. Ça va être le fond. Bon, bah, là j'ai touché le fond. D'accord. Je vais mélanger tout ça. Et ça va me faire un après sans ponçage. L'après, généralement, c'est granuleux, c'est mat. Si on met un petit peu de peinture dedans, ben, il sera plus brillant. Et ça ferait un après sans ponçage si on voulait peindre directement par-dessus. Comme ça va être des surfaces qui vont rester visibles, il n'y aura pas de blackstone dessus, je préfère que ça fasse un peu plus brillant. Bien, pour quelqu'un qui n'est pas spécialisé dans la peinture, enfin c'est plutôt du barbouillage hein, là, hein. C'est du tout de plancher, du tout de caisse, ça se voit pas trop, on peut faire un peu n'importe quoi. On a bien vu à un moment donné, j'ai mélangé du lion durcisseur un peu à la louche. Bon, faut savoir que ma maman, hein, quand elle fait sa pâte à crêpes, hein, quand elle rajoute du rhum, elle fout à la louche. Hein. Et pourtant, toutes les crêpes ont toujours été mangées, pas de problème, il n'y en est jamais resté une. Donc là, pareil, hein, ça s'est pas trop mal passé. Alors, il faut que je blacksonne donc toute cette partie de plancher là. Cette partie là, bah, je la laisse telle que. J'aurai juste des joints à faire pour les fermetures de tôle. Et pour l'instant, je vais surtout m'attaquer à fermer la rustine que j'avais fait ici. Donc cette partie là, je vais la laisser aller nickel. Et cette partie là sera blacksonnée. Bien, alors après avoir effectué un léger cachage, je vais enduire de blackson mes deux pièces.
Alors, j'ai dilué un peu le Black Sun pour qu'il soit un peu plus liquide, on va dire. Une fois que j'ai enduit mes deux pièces, hop, je vais les coller ensemble l'une avec l'autre. Voilà. Donc je fixe ma tôle avec les deux petits boulons derrière, là, comme ça, à peu près centré. Et je vais commencer à la riveter par le centre. Si je retrouve les empreintes. Une fois que j'ai fait toute la rangée du centre, je repars du milieu d'une des rangées extérieures. Voilà, et comme ça, ma tôle va être bien collée dans le Black Sun. Il n'y aura vraiment pas moyen qu'il y ait de l'oxygène ou de l'humidité qui rentre entre les deux. Et à mon avis, ça ne va pas pourrir tout de suite. Hein. Bon, pour la dernière partie à riveter, il va falloir que je m'aide grâce aux vis de fixation de jupe arrière. Voilà, ça va plaquer la tôle. Là où il faut. En plus, il va falloir que je mette une presse, que je chantre bien. Voilà. Tout driftage. Voilà. Et pareil, on rift. Bon, une fois mes tôles toutes riftées, je re-blacksonne le tout. Ouais, il n'est pas assez liquide, faut que je vais remettre un peu de diluant dedans. J'aime bien que le Black Sun, ça patauge, moi. Voilà, une fois bien dilué, le Black Sun, ça fait une laque plus agréable. Ça fait pas crapoteux, quoi. Maintenant, je vais décacher tout de suite pour voir le résultat. Voilà, bah, la partie arrière de ma voiture est réparée. J'aurais plus qu'à repeindre ça de la même teinte un peu partout. Bien, alors là, j'ai dû effectuer du cachage, puisque je compte blacksonner le dessous de la caisse. Donc, pour ça, évidemment, il ne s'agit pas de tout blacksonner, donc automatiquement, il faut mettre du scotch, du papier, du... n'importe quoi, de la bâche en plastique que j'avais récupérée, là, ça ira très bien. Le blackson que je vais utiliser, bon, voilà. Alors, par contre, l'utiliser pur directement, c'est pas bon, parce qu'en fin de compte, ça fait un espèce de crachotis épais, c'est pas terrible. Il faudra que je le mélange avec du diluant, sinon, c'est l'horreur, c'est pas bien. Évidemment, il y a plein de genres de petits trous qu'il va falloir que je colmate. Comme par exemple, ici, on voit bien, à l'arrière, il y a des renforts. Si jamais on ne bouge pas les trous qui sont là d'origine, avec un bout de caoutchouc ici, éventuellement, je mets un morceau de scotch là, comme ça. Il sera pris dans le Black Sun, il ne pourra plus bouger, ça colmate les trous. Alors, vous allez me dire... Il n'y a qu'à les laisser comme d'origine et ne pas boucher les trous. Ouais, mais ça, on sait déjà qu'automatiquement, le sable, l'humidité, tout ça, ça s'agglomère là-dedans. Ça peut créer de la condensation, ça va s'oxyder, ça va tout pourrir. Donc, c'est pas le bon plan. À l'époque, ils n'avaient pas les produits qu'on a aujourd'hui, beaucoup de scotch en plastique. Et du coup, moi, je préfère boucher les trous. Avant, j'avais mis de l'huile dedans pour éviter que ça s'oxyde. Une fois tout ça enfermé, l'huile, le gras, avec le Black Sun par-dessus, ça ne devrait pas s'oxyder, je vais faire comme ça. Bien, alors là, j'ai mélangé avec 20% de diluant, du diluant de récupération. On ne jette pas le diluant, c'est toujours bon, hein, mélanger dans le Black Sun, c'est parfait. Voilà, ça fait liquide. On voit que la pâte est onctueuse, un peu comme de la pâte à crêpes d'ailleurs. C'est exactement ce que je recherchais. Bon, suite à l'apprêtage et au blacksonnage du plancher,
Normalement, on pourrait laisser comme ça, parce qu'après tout, c'est pas mal, hein, ça va bien. Mais, bon, je vois là, au niveau des renforts, on voit bien, il reste du passage d'air. Et moi, ces renforts-là, ces renforts de caisse, je veux qu'ils soient fermés. En effet, ça fait 70 ans qu'ils sont ouverts. Et le problème, c'est que j'ai dû virer un tas de saloperies dedans, c'était déjà oxydé au niveau de l'avant, ce qui veut dire que s'ils sont pas fermés, l'humidité s'installe, et le pourrissement aussi. Du coup, ça m'intéresse pas. Va falloir que je mette de la pâte à scellement ici, et que je ferme ici. C'est pareil au niveau, par exemple, là, on voit bien, là, ça a fait bien étanche, là, mais il faut que je ferme ici. Donc là, avec de la pâte à scellement, un bout de caoutchouc, je vais fermer ici. J'avais mis des scotch ici, hélas, bah, ils ont fondu parce que le diluant les a un petit peu attaqués. Il faudrait que je trouve autre chose. C'est pareil au niveau, par exemple, des jointures de tôle. Donc là, on voit bien à ce niveau-là, là, ça c'est bien fermé, la peinture s'est bien installée. Donc ça devrait plus passer. De ce côté-là, ah bah, c'est très bien aussi. Le Blackson, en plus, a bien pris, là. Impeccable. Oui, mais quand même, je vois, il y a certains endroits, eh ben, il va falloir que je ferme avec de la pâte à scellement, comme par exemple ici, là. Parce que ici, bah, c'est pareil. Les projections d'humidité, de flotte, tout ça, vont passer là. Moi, je veux pas que la caisse pourrisse. Alors, on pourrait laisser comme ça, comme d'origine, mais on sait déjà que, bah non, on va faire mieux que ça. De même, suite au blacksonnage, je trouve qu'on voit encore un petit peu trop les rivets de la tôle que j'ai installée derrière, donc je vais les meuler légèrement pour les faire disparaître. Une fois tous mes rivets légèrement meulés, muni d'un tas, un marteau, je mets le tas en dessous et je vais aplanir légèrement mes rivets. Voilà, de telle sorte à ce que ça fasse bien plat. Je dois reblaxonner l'endroit où j'ai aplati les rivets. Bon, alors pour ce qui est des renforts de caisse, comme j'avais dit, je compte bien les fermer. J'avais envoyé de l'huile dedans, là je les ai blacksonnés. Donc les scotch que j'avais mis, ils n'étaient pas terribles. Donc là j'en ai trouvé un, j'espère, beaucoup plus meilleur. Voilà. Je ferme. Je remettrai un coup de blackson dessus. Pour les entrées ici, bah, j'ai découpé un petit morceau de caoutchouc. J'ai récupéré une vieille cartouche de colle à pare-brise. Hein, il en reste toujours un petit peu dans le fond. Hop. Et bah, je vais y en mettre à l'intérieur. Voilà, comme ça rien n'est perdu, tout est récupéré, pas de gaspillage. Alors là, ça va être plus délicat parce que je m'en fous de plein les doigts. Je vais y glisser le petit caoutchouc que j'ai préparé. Voilà, je vais faire pareil en haut, comme ça je vais bien fermer cette partie, pareil de l'autre côté, pour plus que les saloperies d'humidité, de sable et tout ça, de projection de la roue, rentre à l'intérieur et me pourrissent les renforts de la voiture. La partie inférieure, enfin là c'est supérieur, parce que la caisse est à l'envers. Là, j'obstrue cette partie-là. Il n'est pas question que l'humidité ou quoi que ce soit rentre. Un petit peu de colle à pare-brise. Un petit bout de caoutchouc. Voilà, noyé dans la colle à pare-brise. Alors pour ce qui est de mes renforts de plancher, c'est pareil, eux je veux qu'ils soient étanches, il faudra que donc je fabrique un petit caoutchouc ici, et que je le colle à pare-brise effectivement aussi. Pour les bords ici, là, à ces endroits-là, je vais utiliser donc ce qu'on appelle un mastic d'étanchéité pour carrosserie. Voilà, ça va me permettre de rendre étanche tous ces endroits-là, pour que les saloperies ne puissent plus rentrer dedans.
Bien là, grâce aux joints d'étanchéité de carrosserie, je viens de faire tous les joints du plancher. Au niveau des renforts, j'en ai profité aussi à l'arrière pour faire au niveau... Ben là, à cet endroit-là, c'est vrai qu'il y a toujours un trou sur les tractions. Ce qui fait que l'humidité rentre même avec les projections à l'intérieur de la voiture. Donc ça, c'est fait. Bon, j'en avais d'autres à faire, par exemple ici. Évidemment ici, la goulotte du réservoir. Tout ce qui est joint, ça a été fait. Donc après, si je veux, bon, je peux remettre un petit coup de Blaxon par-dessus, vraiment léger. Bon, alors maintenant que mes renforts de plancher ont été ici calfeutrés avec de l'étanchéité de carrosserie, j'ai refoutu un coup de Blaxon par-dessus. Faut que je ferme l'entrée devant et derrière. Alors, je prends ces petits morceaux de mousse polyuréthane que j'ai récupéré, je ne sais pas sur quelle voiture. Je les ai taillés et je les enduis avec, voilà, c'est de la colle à pare-brise hein, qui restait dans le fond d'un tube. Impeccable. Alors, bien les enduire, hein, ça ne se gorge pas d'humidité. Là, je vais en avoir plein les doigts, super. Une fois qu'ils seront enduits, je vais le mettre pour fermer ici, mais avant, pour être sûr que là-dedans ça ne s'oxyde pas, je me suis fait prêter cet outil-là. Alors c'est un outil normalement pour envoyer du corps creux. Hein, c'est une cire qui sèche à l'intérieur, mais là carrément j'ai mis de l'huile de vidange, de l'huile de boîte de vitesse hein, que j'ai récupérée. Donc ce que je vais faire, je fais passer ça. Voilà, l'huile va bien se mettre partout dedans, mais pendant que j'y suis, je vais rajouter aussi du corps creux. Donc je vais retirer la cartouche d'huile de boîte de vitesse, et hop, je passe dans une cartouche, ce coup-ci, de corps creux. Alors c'est de la cire, ça va sécher dedans, par-dessus l'huile. Qu'est-ce que ça va donner comme mélange, je sais pas trop, oh, ça peut être que bien. Alors, je fais pareil pour tous mes renforts de caisse. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je vais faire ça. Alors, j'ai ouvert une Twingo exprès pour bien vous montrer. Alors, que ce soit des DS, des GS ou là, une Twingo, tous les professionnels de l'automobile vous le diront. Là où il y a eu des fuites d'huile, eh ben regardez, les parties de caisse ou de châssis vont être bien protégées. Et à ces endroits-là, eh ben ils seront vraiment nickel. Ah mais on peut contrôler ça sur un châssis encore bien plus ancien, qui est par exemple un châssis de traction. Par exemple à cet endroit-là, on voit bien, il y a eu des fuites de graisse, des fuites d'huile de boîte. Et si on gratte, eh ben à cet endroit-là, ce vieux châssis de traction qui est naze, hein, on peut le dire. Eh ben on peut s'apercevoir eh ben, qu'à ces endroits-là, eh ben il est nickel. Il a rien, il n'est pas oxydé. Impeccable. Il faut vraiment créer du cambouis. À certains endroits, ça protégera la caisse. Et les constructeurs d'aujourd'hui ne se sont pas trompés. Il n'y a qu'à ouvrir le bas de caisse d'une voiture un peu plus récente, vraiment même très récente. Et ben, on peut voir que dedans, déjà, ils ont réussi à baigner toute la carrosserie, toute la caisse dans un bain de peinture. Et croyez-moi, c'est de la peinture très résistante, ça. Ça, c'est pas de la peinture à l'eau. C'est un après, sûrement avec du durcisseur. Et eux-mêmes ont rajouté du gras, une cire, ce fameux corps creux. Alors, et c'est vrai que les carrosseries, il y a 70 ans, n'étaient pas traitées de la sorte. On n'avait pas les moyens de les plonger dans un bain de peinture. C'est pour ça que moi, je vais d'abord leur envoyer de l'huile, peut-être même des fois 6 mois, 2 ans à l'avance, hein, si je peux, pour que l'huile pénètre bien la rouille. Et croyez-moi, elle va pas sécher, hein, l'huile, elle va bien pénétrer la rouille. Et après, dans mes corps creux, j'appliquerai encore une cire qui se mettra par-dessus et ça fera vraiment... une protection contre la rouille. Bon alors, une fois mes trois renforts de caisse traités à l'huile et au corps creux, je vais glisser le petit triangle que j'ai préparé pour fermer. Voilà. Ça va être étanche. Je fais pareil pour les autres.
Et enfin, le dernier. Ce que j'ai réalisé à l'avant de mes renforts de plancher, eh ben, je fais pareil derrière. Alors d'abord, je vais envoyer de l'huile. Alors une fois que j'ai envoyé de l'huile dans mes renforts de plancher, de l'huile que j'ai mis moi-même dans ce bidon-là, aussi, je vais y envoyer du corps creux. Alors comme d'habitude, une fois mon traitement terminé, j'enduis un petit triangle de mousse polyuréthane avec de la colle et je ferme, voilà, que ça soit bien étanche. Alors, mes renforts de plancher étant fermés hermétiquement, traités à l'huile et au corps creux, bon bah j'espère que ça devrait durer dans le temps, hein, normalement. Hein. D'habitude, les caisses de traction, à l'origine, elles ne sont pas traitées comme ça. Hein. Pendant que ma caisse est toujours à l'envers, retournée dans le mauvais sens, hein, si vous préférez, bah, je vais en profiter pour poncer derrière le tableau de bord. En effet, malgré que ça a été déjà sablé et à recouvert d'un après phosphatant, il y a certains endroits où on peut s'apercevoir qu'ils ont été... Ben, le pistolet n'a pas pu envoyer d'après. Donc là, il va falloir que je revienne dessus. Il va falloir que je ponce ces endroits-là et que je les réapprête et que je les protège. Alors l'antigravillonnage, quand même, étant posé sur le plancher, j'ai décidé, quand même, en protection, en plus de l'antigravillonnage, de lui remettre une deuxième couche. Enfin, la dernière couche, parce que ça fera plus propre, et puis surtout parce que j'en ai envie. Voilà. Donc pour recouvrir vite fait mon plancher d'une peinture blanche crème grise, hein, j'ai utilisé donc un acrylique 70-35, le diluant et le durcisseur. Bon, alors bien sûr, j'en ai profité pour en mettre un petit coup aussi sous la planche de bord. Du coup, pour finaliser l'étanchéité de mes renforts de plancher, là on voit bien, il y a deux petits trous que j'ai bouchés avec des caoutchoucs. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, comme ça, mes trois renforts de plancher sont étanches. J'en ai profité que ma caisse était retournée pour pouvoir préparer et réparer le plancher. Bon, il faut dire que cette caisse est assez saine dans l'ensemble. Mais malgré tout, le plancher, donc, j'ai dû le redresser. Comme il avait déjà été sablé, il avait reçu aussi un après phosphatant. Moi, je l'ai reponcé. J'ai mis un traitement anti-rouille dessus, hein, d'une marque bien connue. Sur tout l'ensemble du plancher, sur tout l'ensemble de la caisse. Après, je l'ai reponcé. Ce coup-ci, je lui mets de nouveau de l'après. Je rapprête tout le plancher. Hein, j'en profite que la caisse est en l'autre sens, c'est bien plus pratique. Donc, une fois que ça a été rapprêté, ce coup-ci, je lui ai mis une couche de Blaxon. Voilà, un antigravillon, hein, ce Blaxon c'est une marque, c'est de l'antigravillonnage qu'on met. Une fois l'antigravillonnage posé dessus, j'ai bien fait tous les joints pour que la caisse soit étanche. En effet, à l'origine, il ne le faisait pas, mais là, j'en ai profité pour faire tous les joints de caisse pour que ça soit bien étanche. Une fois ça fait, bah, j'en ai profité pour remettre une couche d'après par-dessus pour faire un ensemble enfin une couche de peinture, une couche de lac pour faire un ensemble bien uniforme. Il faut savoir aussi que comme j'ai rendu étanche ce qui n'était pas à l'origine les renforts de plancher, j'aurais envoyé de l'huile dedans, j'ai pulvérisé de l'huile et après je leur ai mis un corps creux, c'est une cire qui prend bien, voilà. Eux aussi, ils sont étanches, de telle sorte à ce que l'humidité, le sable, qui, si jamais il y a une pluie, quand on roule sur la route, ne puisse plus s'engager dedans, c'est fermé hermétiquement, il n'y aura plus de saloperies qui rentreront dedans. Il faut savoir que ça, d'origine, ce n'est pas fait, ils ne sont pas étanches.
Du coup, vous avez pu remarquer qu'il y avait certaines parties des renforts que j'ai dû réparer. Là, ce coup-ci, une fois étanche comme ça, avec de l'huile dedans et du corps creux, je devrais être tranquille, normalement. Donc, il va être temps pour moi de retourner la caisse. Hein. J'ai profité de faire ça, que c'était à l'envers. On peut très bien le faire dans l'autre sens, mais là, en quelque sorte, j'ai profité de la gravité terrestre. C'était beaucoup plus pratique. Bon, allez, après l'explication de ce bon traitement, musique de fin !